Allez salut les affreux, comme vous l'avez vu on se retrouve pour un compte-rendu de bataille euh, joué en 1500 points entre une, une armée anglaise jouée par Raphaël et une armée française jouée par moi-même. Vous voyez ici à l'écran la liste d'armées euh, anglaises qui était assez particulière puisqu'il ne comporte que de l'infanterie et de l'artillerie avec des Écossais très très puissants. Euh, une armée un peu, ouais, un peu atypique qui, euh, qui m'a bien donné du fil à retordre. Euh, pour ma part, moi j'ai joué une armée euh, française. Je me suis basé sur une, euh, un ordre de bataille de la Corogne, euh, comme l'armée anglaise d'ailleurs. Euh, et euh, donc vous voyez, j'ai euh, pas mal d'infanterie, j'ai de l'infanterie légère, de l'infanterie de ligne, et pas mal de cavalerie avec une brigade euh, de réserve de dragons composée de deux régiments, avec de l'artillerie de, de ligne et de l'artillerie à cheval. Euh, qui est assez intéressante avec la, la nouvelle version de la règle LH bicentenaire. Le déploiement ou le tour 0, comme vous voulez, avec ici côté français donc le régiment d'infanterie légère à deux bataillons avec les voltigeurs détachés, suivi de deux bataillons d'infanterie de ligne, eux aussi avec les voltigeurs détachés, euh, les deux en colonne d'attaque, l'artillerie de ligne avec deux UA de 6 livres. Euh, déjà en position au premier tour, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas tirer dès le premier tour. Le dernier bataillon d'infanterie de ligne avec des voltigeurs détachés et un régiment de chasseurs à cheval avec le premier escadron en fourrageurs. Euh, côté anglais, donc, il y avait plusieurs bataillons il devait y en avoir en tout 9, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'il y en a 9, vous compterez. Donc les bataillons étaient euh, composés de 20 figurines, alors euh, en deux formations formation double ligne ou formation colonne d'attaque, donc euh, avec les compagnies à quatre figurines de front euh, sur 5 euh, rangs. Euh, voilà Ici sur la colline, il y avait une UA d'artillerie de ligne euh, de 6 livres. et La deuxième UA était placée en réserve. On avait mis de chaque côté des unités en réserve. Côté anglais, c'était l'artillerie. Vous pouvez mettre que l'artillerie ou la cavalerie. Et côté français, c'était la brigade de cavalerie avec les deux régiments de dragons à 3 escadrons. Et l'UA d'artillerie à cheval. Euh, de 6 livres. Donc voilà la table. Donc on voit ici le déploiement en vue aérienne. Donc on voit eh bien en bas l'infanterie légère, l'infanterie de ligne, l'artillerie, les chasseurs à cheval. Au centre, il y a le village d'Entrañamento que les Français devaient euh, prendre. Et les Anglais, eux, leur, leur mission, c'était de les empêcher de prendre ce, ce village et empêcher les, Anglais, les Français de franchir euh, la route que vous voyez euh, horizontalement. Euh, C'était une partie d'entraînement, de, plus qu'autre chose, hein, pour, euh, pour entraîner Raphaël en vue de la campagne 1809 qui euh, avait lieu, euh, enfin, qui avait lieu euh, quelques jours après. Donc vous verrez cette vidéo certainement après la campagne 1809 euh, LH qui a été organisée par Monsieur Jérôme Cassano. Fin du tour 1, où on voit la cavalerie française et qui, est, qui était en réserve et qui est entrée. Donc ici un régiment de dragons, premier avec l'artillerie à cheval juste à côté, et le deuxième régiment de dragons. On a vu les deux bataillons légers qui se sont avancés, les deux bataillons de ligne également qui sont montés sur la colline. Et donc toute la réserve est entrée derrière ces troupes-là. Ce qui a été assez pénalisant. L'artillerie de ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne, ne pouvait pas tirer sur le tour 1 puisqu'elle elle était déjà... Euh, on va dire en batterie, donc elle ne pourra tirer qu'autour d'eux. Et ici sur la droite, le dernier bataillon de ligne et le régiment de chasseurs à cheval n'ont pas réussi à être activés, donc ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Côté anglais, donc il y avait bien, les, comme je vous disais, 9 neuf, euh, neuf bataillons, donc ici on voit les bataillons de ligne. Euh, ici, il y avait un bataillon de Highlander, et ensuite il y avait deux bataillons de légers. Je crois que les bataillons de légers, ils ont leur parement euh, vert, c'est-à-dire au poignet et au col. Euh, vert il me semble je suis pas un spécialiste de l'armée anglaise excusez moi donc je, ceux là je crois que ce sont des légers vous voyez et derrière aussi non derrière être de la ligne bon. l'artillerie est entrée également à ce tour là côté euh, anglais donc il est rentré au premier tour et euh, ici donc on voit plus au centre donc le, le village qui est déjà occupé par les anglais les bataillons de légers qui s'avancent ici le bataillon c'est un bataillon de légers celui-là aussi qui s'est avancé ouais, ils ont le pompon vert c'est ça donc eux ils se sont avancés et ici, un bataillon de ligne qui est déjà contre, contre le petit muret, qui va bien bien m'embêter dans les tours qui vont suivre. Tout de suite, on voit la vue aérienne de, ce, de la fin de ce premier tour. Donc on voit tout ce beau petit monde qui est avancé. Le village d'Antraminamiento qui est bien occupé. Et euh, donc le français, ben, il va devoir bien batailler pour aller déloger l'anglais qui est bien en place avec ses doubles lignes qui sont euh, terribles pour le feu. Et il a également mis ses unités en colonne de marche sur la route, donc ce qui est assez, euh, assez intéressant pour, parce que moi je me suis posé la question, je jouais français, je me suis posé la question, tiens, est-ce que c'est pas lui qui va être offensif dans cette bataille On va voir tout de suite la suite. La fin du tour 2, le français avance avec des batailles en léger, les voltigeurs ont déjà pris des pertes sur les tirs anglais. Et euh, sont déjà contre le muret. Alors, les voltigeurs détachés, j'y reviendrai un peu plus tard dessus. C'est pas euh, très euh, bien joué de les mettre en, en détaché quand il y a des murs à franchir. Les Anglais, eux, sont bien en place et ils font feu de tout bois, comme on dit. Avec leur feu roulant, ils ont fait pas mal de pertes. On voit un beau bâton de maréchal qui traîne sur la route. Bon, en fait, c'est un laser. Les bataillons de ligne euh, s'avancent euh, tant bien que mal. Le, le deuxième bataillon, lui, n'a pas pu être activé. Donc, j'ai eu beaucoup de, de soucis d'activation euh, au fil des tours. L'artillerie, elle, je crois que sur ce tour-là, elle a fait feu sur le bataillon que vous voyez au, au, en face ici. Et il y a fait euh, une perte de mémoire, je crois que c'est ça. Ou alors elle a tiré sur le bataillon qui était sur le gauche. Non, elle a tiré sur celui-là je crois qu'elle a fait une perte. Euh, les bataillons anglais, eux, sont bien en place, ils se reforment en double ligne contre le muret. Donc ça c'est une arme terrible pour, le, pour les ennemis. Et ici, donc le, les chasseurs français s'avancent sur la route. Le but pour moi c'est d'essayer de les prendre de flanc. Donc il fallait que j'avance très très vite. Le bataillon français de ligne n'a toujours pas pu être activé à ce tour-là. Donc encore un souci d'activation euh, sur cette unité. Côté anglais, donc comme je vous le disais, la double ligne qui est en place contre le mur. Donc autant dire que c'est quasiment imprenable euh, si vous ne prenez pas de flanc. Le, deuxième, le bataillon léger, lui, s'est mis en tirailleur et pareil, c'est une arme redoutable. Derrière tous les bataillons qui s'avancent tranquillement mais sûrement même si euh, leur but c'était de défendre et pas de jouer offensif. Donc la double ligne anglaise ici qui fait feu euh, sur euh, les, divers, les deux bataillons légers et sur le premier bataillon, donc elle fait une perte contre les Voltigeurs. On voit tout de suite ici en vue, euh, en vue aérienne donc l'avancée française avec les Anglais qui sont en place. Et donc vous voyez, je vous disais, les deux bataillons légers avec les Voltigeurs détachés. Mais il faut savoir que les Voltigeurs détachés derrière un mur n'ont pas de sauvegarde supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils euh, sauvegardent toujours à 4 ou à 5 euh, comme, de, comme ils sont de base. Il n'y a que quand vous êtes en unité formée, c'est-à-dire en colonne de marche ou en colonne euh, par division ou en colonne d'attaque, que vous avez la sauvegarde euh, grâce au muret, alors qu'en temps normal vous n'avez pas de sauvegarde. Voilà, donc là c'était pas très bien joué d'avoir mis des voltigeurs comme ça, ça les a fragilisés euh, et, euh, et euh, en fait après il a fallu que je, je tente les reformations. Donc on voit tout le monde qui avance et on voit surtout la cavalerie sur la droite qui va essayer de prendre de flammes et vous allez voir ce qui va lui arriver dans le tour qui arrive. Donc le tour 3, le tour 3 où j'ai continué à faire manœuvrer mes dragons. Mes dragons étaient un peu empêtrés dans, avec toute cette infanterie devant eux, ils avaient un peu de mal à, à bouger. L'artillerie à cheval c'est pareil, je l'ai déployé là en espérant que l'infanterie légère se dégagerait. Pour permettre des tirs, mais l'artillerie à cheval s'est mis en batterie, elle n'a pas eu l'occasion de tirer. Les bataillons de ligne, eux, se sont avancés. J'ai un bataillon ici qui s'est bien avancé et qui est sur le flanc du bataillon euh, léger. Donc là, j'avais un petit espoir de faire quelque chose. Les dragons, le deuxième régiment de dragons, lui, s'est bien avancé aussi, euh, en, en espérant pouvoir euh, euh, exploiter euh, une charge d'infanterie. Les canons français, eux, ils font feu. Et ils font pas mal de dégâts sur les batailles anglais, on va voir ça un peu plus loin. Et j'arrive enfin à activer ce dernier bataillon de ligne. Alors j'ai fait rentrer les voltigeurs dans le bois et euh, on a joué un désordre là-dessus. Euh, chose qui n'était pas juste. Ici, je vais vous expliquer ce qui s'est passé euh, un peu plus loin. Euh, ici, on voit toujours les anglais qui, sont, euh, qui se reculent un peu par rapport au murets parce qu'ils avaient peur de prendre euh, des tirs, des charges et euh, aussi de peur de la cavalerie qui se, qui se déployait sur le côté. Tout le reste bouge tranquillement mais sûrement. Ici, le bataillon a pris quatre pertes sur les tirs d'artillerie, ce qui était assez assez énorme. Mais bon, il a réussi à tenir. Et ensuite, sur la droite anglaise, ici, ben, les bataillons sont toujours en place. Ils font feu. Euh, ce bataillon-là n'a quasiment plus bougé de la partie. Et il n'a fait que faire du feu contre le français, avec euh, pas mal de pertes, comme on va le voir plus tard. Derrière, c'est un peu le... pareil. C'est un peu le ça bouchonne un peu. 1500 points sur des tables de mètre de large, c'est vraiment beaucoup. L'artillerie a fait feu aussi à ce tour-là, elle a fait des pertes aussi dans les, dans les bataillons et dans les régiments de, de cavalerie. Euh, donc voilà, c'était un peu figé sur ce tour 2 parce qu'on a eu des problèmes d'activation, euh, chacun de notre côté, et puis comme je vous disais, ça bouchonne un peu. Quoi. Donc ici, on voit la vue aérienne, et donc on voit bien ici sur la droite la cavalerie. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé le régiment de cavalerie au maximum de ce que je pouvais. Je l'ai fait traverser le bois, il a pris un désordre, mais je me suis dit, c'est pas grave, le désordre, si je suis déjà sur l'arrière anglaise, ça va pas poser problème. Pour contrer ça, Raphaël a fait faire une roue à son bataillon de léger, que vous voyez ici. Et comme il était à plus de la demi-portée, il a fait feu à, avec un angle de 45 degrés. Feu sur le flanc. Euh, test immédiat, euh, raté, fuite, redésordre, et donc ma cavalerie s'est retrouvée euh, dans cette position et dans une position pas du tout avantageuse. Et on voit ensuite tout le reste de, des unités françaises qui s'avancent et qui va essayer de prendre le village. Et on voit également dans ce tour 3, fin de tour 3, le bataillon de ligne française qui est au centre et qui est sur le flanc du bataillon léger qui est en bonne position pour effectuer une belle attaque. Euh, vous allez voir que ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu. Euh, on va vous expliquer ça dans le, la vue de la fin du tour 4 qui va suivre. Déjà le tour 4, les dragons continuent de prendre des pertes au tir euh, des, avec les canons euh, anglais. Les voltigeurs, je leur ai fait passer le mur puisqu'il n'y avait aucune, euh, aucune sauvegarde avec le mur. Le deuxième bataillon, je l'ai reformé avec des voltigeurs qui réintègrent le bataillon. Le premier bataillon de ligne a occupé le village. Ici, je réoriente l'artillerie, mais ça ne me sert pas à grand-chose parce que les dragons viennent passer devant. Et ici, vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, en fait, euh, bêtement, je pensais que les voltigeurs détachés pouvaient charger le bataillon léger anglais de côté, enfin sur le flanc. Mais en fait, le français, j'avais complètement oublié ça. Le français, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que c'est le bataillon mère qui charge à travers les voltigeurs. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez de la position de départ. J'ai dû faire une roue à droite et une charge. C'est les deux, les deux seuls ordres que je pouvais faire. Et en faisant ça, je n'avais pas la distance suffisante pour charger. Donc je me suis retrouvé à un pas des, euh, des, vol, des tirailleurs anglais euh, en désordre. Et, euh, et donc là, j'étais euh, euh, à l'affût. Enfin, j'étais à l'affût. J'étais soumis euh, au tir des Anglais qui étaient tout autour de moi. J'étais très très mal parti sur ce coup-là. Donc vous voyez, il y a un désordre, une fatigue, un accablement parce que j'ai pris du tir avec beaucoup de pertes sur le tir. J'ai pris deux pertes au tir. Euh, la charge a raté, la roue à droite, enfin euh, tout, tout complètement raté euh, parce que une faute d'inattention. J'étais persuadé que les voltigeurs pouvaient charger, alors qu'en fait non, c'est le bataillon mer qui doit charger. Donc on continue de voir les troupes ici, donc euh, le bataillon en piteux état déjà, même s'il n'est pas encore euh, en fuite ou quoi que ce soit. Ici donc j'avais mis un bataillon de ligne dans la maison, j'ai occupé la maison. Et les Highlanders ici, ici qui se sont réorientés. J'ai trouvé ça assez surprenant. Je pensais qu'il allait les prendre à la maison. Donc il s'est réorienté pour essayer de venir attaquer la, la gauche française. Les canons anglais, eux, ben, ça tire tant que ça peut. Et ça tape sur euh, l'infanterie euh, qui est sur la colline, je crois. Et sur la cavalerie qui était sur la gauche. Non, sur, la deuxième, sur le deuxième régiment de cavalerie aussi. Ça a tiré, ça a fait des pertes. Mon artillerie, elle aussi, elle fait feu sur le bataillon euh, que vous voyez sur la route euh, euh, en face de vous. Et elle a fait, je crois, euh, encore une perte. Enfin, il y a eu pas mal de pertes sur ce bataillon qui a été, euh, qui a été un peu sacrifié par, par Raphaël pour absorber tous les tirs de l'artillerie. Et donc, ici, on voit cette fameuse charge ratée. Euh, je m'en suis mordu les doigts pendant un bon moment. Donc, on voit ici le bataillon qui est qui un peu morflé. Ici, le bataillon de ligne, en double ligne, s'est réavancé. Euh, moi, j'ai essayé de reformer cette, cette unité ici. Je n'y suis pas arrivé. Donc, elle est restée en désordre. Elle avait été ralliée autour avant, je vous l'ai pas dit, mais elle avait été ralliée, donc elle était euh, elle était immobile sur cette position-là. Et ici, on se retrouve derrière les, les, les lignes anglaises, avec ici les bataillons qui sont en place et qui défendent ben, qui chèrement leur peau. Et ils ont la position, ils ont la force euh, des fusils, ils ont la force des canons. Euh, ça va être difficile d'aller les chercher. On voit ici sur la droite ben, les, les bataillons français qui commencent à s'amenuiser petit à petit sous les tirs anglais. On se retrouve pour la vue traditionnelle d'hélicoptère de l'époque. Donc ici vous voyez donc les bataillons que j'ai reformés sur la gauche et le bataillon de, et des tirailleurs que j'ai fait, fait traverser le mur. Euh, ils ont pris des pertes supplémentaires, ils sont plus que deux. La maison est occupée par les, Fra la est occupée par les Français, pardon. Et on voit donc mon bataillon qui a, qui a raté sa charge avec tous les pions, des ordres, fatigue et tout ça. Et qui lui va être mal en point puisqu'il risque d'être attaqué ou fusillé par le bataillon qui est dans la maison ainsi que par le bataillon qui est sur la route donc euh, il y a peut-être des charges possibles aussi également donc ça ça crée un peu pour ce bataillon là sur la droite c'est un peu la la débandade le, le régiment de chasseurs j'ai pas pu l'activer et le dernier bataillon de ligne que je n'ai pas pu activer puisqu'il était en désordre lui aussi. Euh, C'était une erreur hein, puisque en fait il fallait considérer les voltigeurs euh, uniquement qui ont traversé le bois. Il n'était que 4 et donc euh, à 12 figurines ou moins, euh, l'unité n'est pas en désordre. Donc le bataillon, même s'ils sont 24 au total mais comme il n'y a que 4 figurines dans le bois, le bataillon n'aurait pas dû être en désordre. On s'est trompé, on l'a compté comme ça, ça m'a perturbé puisque je n'ai pas pu l'activer euh, sur ce tour là. Fin du tour 5. Donc sur la gauche, j'essaye un peu de faire manœuvrer mes dragons pour menacer la droite anglaise, essayer de le faire bouger un peu. Les deux bataillons légers sont reformés. En fait, le premier, il n'y a plus de voltigeurs, ils sont tous euh, détruits. Et sur le deuxième, je le reforme et je le réavance contre le mur pour faire des tirs. Le bataillon de ligne est toujours dans la maison. Euh, un peu plus en arrière, on va avoir la batterie à cheval qui se réoriente une nouvelle fois. Je ne savais pas trop quoi en faire, cette batterie, elle était très mal placée. Et les dragons ici vont essayer de menacer un peu le centre anglais. Ici on voit le combat qui a eu lieu. Bien évidemment, je me suis fait charger par les anglais. Euh, donc j'étais en désordre. Je me suis fait charger. J'ai tapé en second. Euh, lui là, il arrive plein fer malgré qu'il ait eu des pertes et de la fatigue. Euh, moi je suis fatigué, accablé, en désordre. Euh, donc je tape en second. Il me fait en tout euh, 8 pertes. Donc je ne peux même pas me défendre sur ce coup là. Et, euh, et donc avec 8 pertes, je, je pars euh, complètement en fuite, suite au combat. Donc on voit ici les dragons qui sont derrière. Le bataillon ici, donc il est parti en fuite, puisqu'on est à la fin du tour. Euh, voilà tous les dégâts qu'il y a eu, les désordres réduits, fuite, j'arrive pas à le rallier. Euh, lui, il est en désordre aussi au centre, donc ça c'est un peu dangereux pour lui. Mais bon, il a, il a bien fait le, le dégât. L'artillerie... Euh, ça, ce sont les, les voltigeurs qui m'appellent. L'artillerie a fait son job, elle se, ré, elle se réforme pour, euh, pour euh, recharger les canons. On avait le bataillon qui a réussi à bouger. Les bataillons anglais légers se sont reformés en colonne d'attaque, parce qu'ils soupçonnaient certainement une attaque française, et puis ils voulaient peut-être me contrer. Le bataillon de ligne, sur deux lignes, a reculé légèrement, encore une fois. Donc euh, il n'est plus contre le mur, et du coup, euh, ben je, je bénéficie d'un couvert, puisqu'il n'est pas contre le mur. Et puis euh, l'arrière des troupes anglaises, eh bien, on voit toujours les lignes bien en place. Les colonnes d'attaque euh, sont toujours en place. La maison est toujours occupée par le bataillon anglais. Les Highlanders se sont réorientés en, une nouvelle fois en vue de, de charger. Vous voyez des deux bataillons qui forment comme un V ici. Et il peint, je pense qu'ils voulaient attaquer la maison euh, dans les tours prochains. L'artillerie, euh, je crois, l'artillerie ne pouvait plus <laughs> tirer sur fait. ce coup-là. Donc il fallait qu'elle recharge elle aussi. Au moins qu'elle ait tiré, elle a fait quelques dégâts sur les dragons, je ne me souviens exactement. Enfin bref, pas de grands changements avec l'artillerie sur ce tour-là. On retrouve la vue, vue du ciel, vue de l'espace. Donc on voit bien les deux bataillons légers qui sont revenus contre le mur. Le, les dragons qui se sont réorientés au centre pour menacer le centre anglais. Le bataillon français qui est parti en fuite et qui est toujours en fuite et qui, qui a eu beaucoup de pertes. Euh, les canons français se sont reformés, on voit qu'ils ont rechargé leurs leur canons. Euh, et la cavalerie, euh, les chasseurs à cheval, ben, ils, ont, ils sont repartis en fuite. Et, et sur leur mouvement de fuite, avec 2 d euh, je crois que j'ai euh, dû faire 16 ou 17 pas sur ce coup-là, ils sont sortis de la table. Donc ça fait une, une unité de perdu. Et le dernier bataillon de ligne sur la droite qui arrive à, à, à bouger, à se reformer le, contre le bois euh, pour essayer peut-être d'attaquer le centre, euh, enfin, la, la, la gauche anglaise. Fin du tour 6 et fin de la partie. Donc il n'y a pas de, de vue euh, au niveau terrain parce que j'ai un peu zappé de filmer euh, le tour 6. Donc euh, vous n'aurez qu'une vue aérienne. Et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ce dernier tour. Donc au côté français, euh, on va partir de la gauche. Donc j'ai réorienté mes dragons pour essayer de venir euh, menacer vers le centre. Les, les deux bataillons légers, eux, sont contre le mur et font feu sur le, le bataillon anglais qui est en face d'eux. Un peu plus au centre, on voit les dragons qui sont en place. Alors ce qui s'est passé au centre, c'est que vous vous souvenez peut-être le bataillon anglais était euh, carrément au niveau du carrefour des, des, des routes. Euh, j'ai activé en premier mon artillerie sur le, avec laquelle j'ai fait feu sur le bataillon. Donc euh, j'ai fait une perte ou deux. Donc je l'ai réduit déjà le bataillon anglais. Et ensuite avec le bataillon qui est dans la maison, j'ai fait des feux aussi. J'ai encore fait des pertes. Ce qui fait que ce bataillon a pris 25% de pertes euh, dans le tour. Il a testé immédiatement. Il a raté son test. Il est parti en fuite. Je me doutais que ça allait se passer comme ça, du coup je n'ai pas fait de charge avec les dragons, je les ai juste avancés parce que si j'avais eu un tour de plus, mon objectif c'était de, de charger le, le bataillon de léger qui est dans le champ en face de vous. Euh, bon j'ai pas eu ce tour, ce tour là, malheureusement c'était la fin de la partie, c'était en 6 tours, mais voilà mon objectif. Donc là j'ai assez réussi ma manœuvre malgré tout. Euh, côté droit, le bataillon, euh, le bataillon français, lui, euh, lui s'est re reformé, toujours en place euh, contre, le, contre le bois. Le régiment de chasseurs, donc, lui, l'a fui. Euh, il a fui sur le, le tour précédent avec euh, un test de fuite et qui, il est sorti de table. Donc la, la gauche anglaise, elle, elle a bien tenu. Hein, il n'a eu aucune perte. Il a réussi à, tuer un, enfin, à détruire un, un régiment de chasseurs. Donc c'était bien de ce niveau-là. Le centre était un peu plus hasardeux côté français, il, est, il a chargé et puis il s'est retrouvé un peu dans la panade après et du coup il est parti en fuite. Euh, rien d'autre n'a fui autour de ce bataillon, heureusement pour lui. Il tient la maison et ensuite euh, sur la gauche euh, de l'image, sur la droite de la maison, il a réorienté ses deux bataillons pour pouvoir charger s'il y avait un tour suivant, il aurait chargé certainement le, le bataillon que j'avais dans la maison, moi dans la petite maison. Et à force de charger, il m'aurait certainement délogé. Euh, voilà, ensuite sur la droite, eh il y, y a des manœuvres. Le bataillon qui est en double ligne a pris des pertes aussi, mais pas, 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 pas si pénalisante que ça. Et puis euh, les canons anglais ont fait leur, leur job, ils ont bien tiré. Ça a été assez équilibré au niveau des tirs d'artillerie, même si moi, à un moment donné, j'ai eu un, un bon tir euh, sur le bataillon qui était sur la route et qui est parti en fuite sur le dernier tour. Euh, euh, sur un tour, j'ai eu un peu de bol sur les tirs. Euh, mais sinon après en général c'était assez équilibré sur les tirs surtout les tirs en général c'était assez équilibré là où la partie s'est jouée ça a été en deux, deux phases hein. ça a été les chasseurs à cheval sur la droite qui se sont fait étrier euh, par un tir de flanc et qui sont partis en fuite et que je n'ai jamais pu rattraper et ensuite ça a été le bataillon au centre la charge complètement ratée enfin, faute d'intention qui fait que ben, j'avais le centre qui s'est qui, qui troué quoi voilà, et ensuite le dernier bataillon de ligne aussi, qu'on qu a mal joué puisque je l'avais en désordre, et ça m'a pénalisé, il a été manœuvré que deux tours sur cinq quasiment. Quoi. Euh, ou trois tours sur 5, ce qui est assez pénalisant. Donc, euh, donc voilà comment ça s'est passé. Côté anglais, ça a été assez statique, assez défensif. C'était l'objectif et le scénario hein, qui voulait ça. Euh, Raphaël l'a très bien joué. Alors c'est bien amusé, on a bien testé une partie en 1500 points. Alors c'est euh, je conseille fortement de mettre la réserve sur, les, sur le deuxième tour et pas dès le premier tour, parce qu'en 1500 points c'est très encombré, ça fait du monde, malgré que ce soit des, des armées coûteuses, il y a quand même du monde. Et, euh, et donc la réserve quand elle arrive comme ça, ben, ça bouchonne et donc elle ne peut pas manœuvrer. Euh, vous l'avez vu, le canon, l'artillerie à cheval. Euh, je voulais profiter de la V2. Euh, des, règles, des nouvelles règles V2 pour la tirer à cheval, j'en ai pas profité du tout parce que je ne savais pas où la mettre, il y avait tellement peu de place que je ne savais pas où la mettre. Donc je l'ai mise au centre en espérant que euh, je puisse bouger plus vite et que je puisse dégager des zones pour faire du tir, ça n'a pas été le cas. Malgré tout, dans ce dernier tir, j'ai ré, réussi à, à l'activer, ce qui m'a permis de la reformer, de la réatteler et de la faire bouger. C'est pour ça qu'elle se retrouve sur la colline à ce, ce moment-là, elle avance sur la colline. Donc ça c'est un bon point de la V2, c'est super intéressant à jouer. Je pense qu'avec une table plus grande, ça va être super intéressant à jouer à l'artillerie à cheval. C'est quasiment une des seules règles de la V2 qu'on a pu mettre en application. Euh, une des grosses modifications de la V2 euh, sur cette partie-là. Voilà, c'était une bonne partie d'entraînement. Euh, pour votre info, entraînamiento, ça n'existe pas. Ça veut dire entraînement en espagnol. Et comme c'était une partie d'entraînement pour Raphaël avant, avant la, la fin de campagne 1809, j'ai décidé d'appeler cette bataille euh, avec ce nom-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si elle vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de la regarder jusqu'au bout. Enfin, vous, vous, vous me dites ce qui vous a pas plu, j'essaierai d'arranger ça la prochaine fois. Si c'est juste pour dire, pour dire que c'est nul, euh, abstenez-vous. Merci. Et puis, euh, puis, je vous salue tous les affreux. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce sera pour un compte rendu de bataille euh, très prochainement. Il y a des trucs qui se préparent euh, au niveau des Voltigeurs Occitans, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau compte rendu. À ciao, ciao les affreux.